Un quartier de Cotonou, le bureau d'une station service a été bloqué durant quelques minutes par des hors-la-loi vers 2h30 de ce mercredi à Agla. Un quartier de Cotonou, près de 4 millions de francs d'épargne ont été emportés par les braqueurs. Ils ont réussi à tenir au respect les agents de sécurité en poste dans la station service. Et puis, page politique de ce journal, le professeur Joseph Edouard contre des militants UPR de la commune d'Abomey-Calla dit, c'était ce matin. Mais pourquoi tu as été dans la radio? Ah, c'est quoi d'ailleurs? Mais c'est pourtant l'heure du journal. Tchabenou, c'est lui seul qui est dans le pays. Mais nous allons faire quoi au moins? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah, mais de quoi? Professeur d'université, un avocat, un ministre, un président co-constitutionnel, un président du parti. C'est parce qu'il en a les compétences. Et il faut avoir nos compétences sur des dieux. Mais non, lui deux rois, tu sais, D'abord, il y a aussi tout, mais. Si tu entends ma fille. Non, calmez-vous. Faut calmez-vous. Vous n'êtes pas obligé de vous chamailler à propos du professeur Diogbenou. Il est en train d'embêter une grande personnalité. Oui. Maintenant, lorsque vous voulez connaître quelqu'un, on va à la source de l'information et on est nourri à la meilleure information. Le professeur Diogbenou là, moi je le connais plus que vous tous. Parce qu'il est de mon village. Je connais son père, je connais sa mère, je connais tout. Oh, Fofo, laisse ton affaire là. C'est pas parce que tu es de son village que tu le connais. Écoute, bon, d'ailleurs. Il est dans ton sac. Non, attends. On parle du loup, on voit ça que. Ah, tu as ça dedans. Attends, tu vas voir. Regardez, c'est ça. Ça là. Hein? Vous voyez ce livre là? Si vous voulez connaître le professeur Diogbenou là. Ah, c'est ce bouquin. Faut prendre, prends. C'est ça. Hein? La contrebasse Joseph Diogbenou. Macon. Ah, et ouais, dis-nous, Bobin. Et c'est écrit par Léon Zora, le Béninois. La contrebasse Diogbenou Joseph. C'est ça. Ah, livre, mon cadeau, toi, ma fille. Oh, yeah, c'est bon. Tu vas me laisser le livre. Je vais lire moi-même et le connaître. Non. Je n'ai pas fini de lire. La contrebasse Joseph Diogbenou est un récit truculent sur la vie et la formulation de l'identité d'un homme d'intérêt, un personnage dont la statue dans la société civile à la politique est fort équivoque. C'est un livre écrit par Léon Zoukha, ancien directeur du livre, ancien directeur départemental du tourisme d'Oukoline, et préfacé par Aimé Soho, professeur de maths à l'Université de New York. Distribution, Fnac, Amazon, De Citre, Leclerc, leslibrairies.com, La Générale Libresque, Erasmus, Infoline 66 49 56 17.